La Guinée équatoriale fête les 50 ans de son indépendance en 1968. Il faut faire trois réflexions sur la Guinée équatoriale qui correspondent aux trois périodes de ce pays et de cette nation, cette petite nation africaine courageuse. Il y a le bilan du colonialisme espagnol, le bilan de la dictature de Macias, enfin la construction de la nouvelle république après le golpe de la Libertad par Obiang-Neman Basogo et ses camarades. Le bilan espagnol, il est totalement négatif. Tout d'abord, l'Espagne ne lâche que contrainte et forcée l'indépendance des deux territoires qu'elle contrôle en Afrique, la Guinée équatoriale, proprement dite, qu'on appelait la Guinée espagnole sur le territoire, et les îles de Bioko et d'Anobo. Il faut dire ce qu'était ce colonialisme espagnol. En 1968, il lâche des territoires, pas par bonne volonté. Vous savez que l'Espagne a toujours gardé ses colonies aussi longtemps qu'elle le pouvait et qu'elle conserve encore aujourd'hui deux territoires espagnols, Ceuta et Melilla, de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Mais il y a un mouvement d'intellectuels pour la libération du pays et c'est eux qui forcent l'indépendance. Les Espagnols, lorsqu'ils s'en vont, ne laissent rien. Il n'y a pas d'État en construction, il n'y a pas de fonction publique, il n'y a pas d'école d'officiers, il n'y a pas d'école d'administration, il n'y a rien. Le pays vit d'une monoculture, c'est le cacao, et c'est tout. Voilà quel est le bilan. Il faut quand même rappeler que le colonialisme espagnol a été un des plus durs en Afrique, et que la ville aujourd'hui de Malabo, qui est le nom d'un chef équato-guinéen qui s'est révolté au début du XXe siècle, elle s'appelait précédemment Santa Isabel. Santa Isabel, qu'est-ce que c'était? Tout d'abord, ce fut un grand port de déportation d'esclaves vers l'Amérique latine. C'était l'équivalent de ce qu'était São Tomé pour les Portugais, pas très loin de Malabo d'ailleurs, et ce qu'était l'île de Gorée au large de Guacar pour les Français. C'était un comptoir d'esclavagisation. Secondement, les Espagnols ont déporté des populations Fang du continent et ils ont créé un problème ethnique qui a cessé de l'être précisément avec l'indépendance, avec la population d'origine de l'île de Bioko où se trouve Malabo et qui est constituée de populations de l'ethnie Bubi. Il faut encore savoir une chose, c'est que cette ethnie Bubi est un prétexte régulier pour déstabiliser la Guinée équatoriale. Il y a un mouvement pour l'indépendance de l'île de Bioko qui est en stand-by aux États-Unis, comme l'a été longtemps le mouvement de sécession de l'Amazonie. Les Américains savent garder des cartes en réserve. En 1968, ils font un dernier crime contre le peuple équato-guinéen, ces Espagnols. Rappelons-nous que c'est la dictature de Franco. Ils laissent des troupes qui assurent l'ordre jusqu'en 1968. C'est la Guardia Civil espagnole qui a des moyens blindés. Elle impose aux élections présidentielles un ancien fonctionnaire colonial. C'est le dictateur Macias. Celui-ci va très vite se révéler fou. Il singe les dictatures marxistes-léninistes, mais qui, elles, construisent l'État-parti en Afrique. Lui, il détruit la culture du cacao. Il y a plusieurs centaines de milliers sur une population de moins d'un million d'équato-guinéens qui partent en exil. Un groupe d'officiers avec Obiang-Neman Basogo décide en 1979 de faire le golpe de la Libertad, le coup d'état de la liberté. Il renverse Macias et il décide de bâtir une nouvelle république. C'est très difficile parce qu'à l'époque les Espagnols sont partis avec la carte du sous-sol, avec la carte minière et n'ont rien fait pour essayer de découvrir du pétrole ou du gaz. La nouvelle république doit se construire avec difficulté, mais directement, les émigrés reviennent parce qu'ils savent que c'est fini la folie dictatoriale. À la fin des années 90, alors que l'État équato-guinéen est en train de se bâtir, il y a notamment tout d'abord un État parti avec le PDGE, qui est le premier parti construit, et ensuite la démocratie multipartie, après le discours de la Baule. À la fin des années 90, Obiang-Neman Basogo, qui croit que le pays a du pétrole parce que tous ses voisins en ont, confie la prospection à une firme privée texane. Les Français et les Espagnols, prétendant qu'il n'y a rien, ils découvrent du pétrole et du gaz. La Guinée équatoriale devient un État, un Eldorado pétrogazier.
monte alors en puissance la Nouvelle République. On bâtit un système, une cour constitutionnelle, un Sénat, une vie démocratique pluripartite. On construit des tribunaux, on construit une fonction publique avec une fiscalité. C'est l'œuvre de l'actuel secrétaire général du PDGE, Geronimo Osa Osa, qui est l'un des grands intellectuels équato-guinéens. Et puis, à la fin de ce cycle, dans les années 2016-2018, alors que l'Occident essaye de déstabiliser la Guinée équatoriale avec une révolution de couleur rampante, Obiang Nemamba Sogo défie ses adversaires, il défait ceux-ci malgré de nombreuses tentatives de coup d'État, et il amène la nouvelle République actuelle que nous connaissons, avec son dialogue national, avec sa démocratie équato-guinéenne souveraine. C'est ça l'œuvre de ce bâtisseur, qui n'est pas seulement un grand panafricaniste, l'un des grands leaders du néo-panafricanisme après la chute de Kadhafi, mais c'est aussi le bâtisseur, le constructeur, le père de la nation équato-guinéenne.